Madame le garde des Sceaux, Monsieur Plantu, cher Jean, Monsieur Léville, Mesdames et Messieurs, merci pour votre présence. Je suis extrêmement sensible, j'y reviendrai, à la présence de Madame Taubira. Je suis sensible aussi à votre présence en tant que représentant de la Commission européenne. Car en réalité, au-delà du débat que nous aurons toute la journée sur la liberté d'expression, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe est confrontée à un moment de son histoire où elle peut perdre son âme ou montrer au monde quel est le projet de société pour lequel elle se bat. Et je suis d'autant plus sensible à la confiance qu'a bien voulu nous accorder Jean Plantu, pour Madame le garde des Sceaux, faire en sorte que le palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, soit le lieu de la République, où l'on puisse non pas instrumentaliser un débat, mais nourrir un débat. Parce que dans le monde de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, où la technologie va nous faire dépasser les limites du tolérable ou de l'intolérable, nous devons absolument retrouver ce qu'Aristote nous conseillait, l'éthique de l'action, le cap, et faire en sorte que malgré l'appétit du pouvoir, le politique ne cesse jamais d'oublier qu'il a pour vocation de guider le peuple et non pas de suivre le peuple et de caresser ses bas instincts. Je crois que le monde de demain et même d'aujourd'hui peut enfermer la démocratie dans les mains des puissants. Quand je vois aux États-Unis le déplafonnement des campagnes électorales, est-ce que c'est le plus pertinent, le plus intelligent qui gagne ou celui qui a le plus d'argent? Lorsque je vois que sur les sites internet, le fait de passer quelques candidats en numéro 1, numéro 2, numéro 3 donne une incidence sur l'électorat, est-ce que le monde de demain peut être guidé par les tsunamis émotionnels ou au contraire garder un cap parce qu'il aura le temps d'élaborer ses convictions? Et la liberté d'expression est un marqueur. Elle n'a pas pour but de faire plaisir au créateur, mais c'est une formule que j'ai trouvée extrêmement belle, c'est un pied dans la porte de nos prisons pour empêcher la fermeture de nos prisons futures. Dès l'attentat de Charlie, mais bien avant, en tant que médiateur de la République, et quand le garde des Sceaux de l'époque avait accepté des délégués dans les prisons, parce que la perte de liberté n'est pas la privation des droits, j'avais déjà travaillé avec Jean Plantu et très naturellement j'avais envoyé mon soutien aux caricaturistes parce que je leur disais que certes un certain nombre de terroristes pouvaient donner l'illusion que le poids des armes était plus fort que le poids des mots ou des dessins et que ma lecture c'était en fin de compte de montrer que s'ils s'étaient livrés à cette outrance, c'est qu'en réalité, ils montraient leur fragilité parce qu'ils avaient été touchés par ces dessins. Et que l'arme la plus redoutable n'était pas celle qui enlevait la vie. C'était celle qui donnait la vie parce qu'elle touchait la conscience et elle touchait l'intelligence des hommes. Et qu'en réalité, l'attentat du 11 janvier est un attentat horrible, inacceptable. Mais en fin de compte, il avoue à la face du monde la force, le poids des mots, des sons, des dessins, des caricatures. Et je crois que nous sommes dans un moment où, dans un souci de domination du monde, certains veulent tyranniser les consciences, balayer les convictions les plus nobles par un violent tournamis des émotions les plus basses. Et j'ai moi-même été frappé par cela, c'est-à-dire que très naturellement, on est venu me dire « Mais Jean-Paul, pourquoi tu acceptes de prendre des risques en accueillant des caricaturistes du monde entier ?» Comme si cette question, par son impertinence et sa bêtise,
Ne montrez pas qu'en réalité, quand on est convaincu, ce qui est votre cas, Madame la garde des Sceaux, et Dieu sait si dans votre histoire personnelle, vous mesurez le poids des chaînes, on n'enferme pas l'esprit de quelqu'un. Et que là aussi, il y a des choses qui me fascinent en disant, mais c'est courageux de faire cela. Non, il ne faut pas analyser ça comme ça. Ce n'est pas courageux d'organiser cette réunion, c'est un manque de courage de ne pas l'organiser. Et qu'il ne faut jamais en vouloir à ceux qui font mal, mais en vouloir à ceux qui laissent faire. Et à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes dans nos civilisations, c'est qu'à chaque fois nous nous sommes allés au confort, à l'insouciance, au fait de dire « je ne suis pas concerné ». Et je crois qu'en ayant voulu créer ici... À un moment où nos démocraties sont fragiles, on voit bien que partout dans le monde, les discours les plus simples, les plus populistes sont aujourd'hui en train de progresser. Je m'interroge si on n'est pas en train d'essayer de nous faire passer d'un système de domination à un système d'aliénation. Les forces économiques, politiques, religieuses ont cherché à prendre nos forces physiques. Aujourd'hui, le combat, c'est pour prendre nos esprits. Et faire en sorte qu'on nous enferme dans une terrible tenaille, la tenaille d'une incapacité d'assurer un développement par des attentats ciblés et d'alimenter par des flux migratoires le rejet de l'autre, du musulman, du juif, nous faisant basculer brutalement d'un problème politique à un problème religieux, au point même d'ailleurs que la presse se laisse quelquefois aller à parler des juifs de France ou des musulmans de France. Et non pas des Français de confession musulmane et des Français de confession juive. Et je crois qu'il y a... Aujourd'hui, notre monde est pris de vertige entre le refus de l'altérité, le refus de l'autre, au point d'ailleurs de revendiquer une identité fermée, alors que nous sommes en train, par les échanges, d'avoir une identité diverse, multiple, et que l'enrichissement par l'autre est peut-être au cœur de l'avenir de notre condition humaine. La condition humaine est universelle, elle a été marquée de ce saut après la guerre 45 et le refus d'accepter que se renouvelle l'intolérable, mais l'avenir de la condition humaine passera par la solidarité. Et je vois bien qu'il y a aujourd'hui un fossé devant le vide de nos intériorités. Il y a un fossé, notamment en ce qui nous concerne, Jean, entre le Créateur qui interpelle nos convictions et le ressenti qui nourrit les émotions souvent décalées. Souvent, on a tendance à critiquer celui qui écrit, celui qui fait un film, celui qui écrit, qui dessine une caricature, mais en réalité, on s'aperçoit que on oublie souvent que c'est celui, la façon dont elle est interprétée, qu'il faudrait aussi intégrer. Et donc, des questionnements tout au long de la journée. Est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire ? Est-ce que toute image est-elle bonne à montrer ? On voit bien que déjà, les États veulent des guerres sans images et sans morts. Et en même temps, quand il y a des voitures brûlées, on ne montre pas tout. Et en même temps, la télévision s'interdit de montrer les décapitations. Donc on voit bien que les questions ne sont pas faciles à trancher. Et si un graphique vaut toutes les démonstrations, un dessin vaut tous les discours, une photo tous les leviers, l'opinion américaine avait basculé avec cette photo de cette jeune frappée par le napalm. Nous devons... être attentif, Madame la garde des Sceaux, ce n'est pas vous qui me démentirez, que dans un monde de l'innovation, dans un monde qui bascule dans l'intelligence, c'est la place que nous accordons aux rebelles, aux regards décalés, aux discours décalés, qui fait la force ou la faiblesse d'une démocratie. Et nous avons été très souvent, aujourd'hui, nous avons à réfléchir sur la domination financière qui pose le problème de la survie sociale, de la domination religieuse qui amène la soumission aveugle, et quelquefois de la domination politique qui incite à la désobéissance. Tout cela peut créer un basculement vers la manipulation mondiale, la conquête du mental, et de nouveaux pouvoirs apparaissent, et d'autant plus redoutables qu'en réalité ils créent des chaînes invisibles qui imaginent qu'on nous enferme dans des émotions véhiculées par les réseaux Internet. Et ce qui fait que si l'éducation nationale continue à transférer des connaissances sans éveiller les consciences, nous aurons des têtes remplies, mais des âmes vides qui se laisseront manipuler par des émotions fabriquées par les autres.
Ma conviction, c'est que tout pouvoir doit être équilibré par un contre-pouvoir. Le fou du roi, le caricaturiste sont des éléments essentiels pour la limite des excès ou des abus. Et s'il y a une limite juridique par la loi, vous en parlerez probablement, est-ce que la liberté d'expression peut-elle et doit-elle être encadrée si par la loi et par l'acceptation sociale, on doit aussi intégrer, faut-il, un droit de précaution par rapport aux effets que cette liberté d'expression peut avoir? Comment concilier la pureté créatrice, une autocensure, quelquefois alimentaire pour celui qui finance le journal, quelquefois de bienséance pour celui qui veut chloroformer nos pensées, ou par la crainte, par la peur des violences et des séismes? C'est la peur du gendarme et le commencement de la sagesse, mais la peur du terroriste et l'abandon de la sagesse. Et je crois qu'on mesure que si le créateur est lié à son lecteur, la nature du dessin sera analysée en fonction de son interprétation. C'est aussi un sujet compliqué, car l'ambiguïté, la sortie de son contexte, donne une place déterminante, non au créateur, mais au manipulateur. On voit tout le débat qu'il y a sur les dessins de Charlie Hebdo, sur cet enfant, et sur McDo, montrant en réalité le caractère cruel d'une société d'abondance qui ignore la misère des autres. Mais ça a été très mal compris, ou volontairement mal compris, et on nous amène souvent, on se trompe de tribunal, on se trompe de procès, on se trompe de sentence, et on pousse les peuples à la radicalité et la haine de l'autre. Et aujourd'hui, le réseau est mondial, et est-ce que l'humour peut franchir des frontières? Est-ce qu'il se heurte au mur des préjugés, de l'intime, du sacré? C'est quelque chose que nous devons être attentifs. Est-ce que la provocation est toujours utile? Ou est-ce que c'est l'effet d'une déstabilisation et d'un questionnement qui mérite d'être prioritaire? On veut cantonner la misère aujourd'hui derrière des murs physiques. Le monde est absolument incroyable. La chute du mur de Berlin laissait apparaître la perspective d'un monde paisible. Aujourd'hui, les murs se construisent partout dans le monde. Et on croit que l'on peut enfermer derrière des murs physiques la misère pour mieux abriter notre confort, foulant au sol d'ailleurs notre responsabilité d'être humain. Et au nom d'une incroyable naïveté, car l'histoire a prouvé qu'à chaque fois que nous détournions le regard du traitement des plus faibles, que nous ignorions les signaux faibles, en réalité, c'est nous qui, tôt ou tard, serions victimes. Mais aujourd'hui, il y a des barrières bien plus redoutables, Madame la Garde des Sceaux. Car en fin de compte, ces chaînes invisibles enferment les esprits, enferment le mental, et veulent nous cantonner au silence par la peur. Ils piétinent notre dignité, ils piétinent notre conscience. Or, ici même, et c'est la raison pour laquelle je termine en disant à quel point nous sommes très honorés, nous qui avons des avis sur la laïcité, bientôt un débat sur la coexistence, se tenait ici, Madame la Ministre, avec le Président de la République, le sommet des consciences. Car nous estimons qu'il y a deux rendez-vous convergents. L'homme prend brutalement conscience que la nature qui l'a piétiné, c'est peut-être une bibliothèque qui l'a brûlée, et qu'aujourd'hui il faut un rapport nouveau à la nature, et que prendre conscience que la COP21, ce n'est pas uniquement une réunion de caractère politique, de caractère technique, de caractère financier, c'est la prise de conscience que nous sommes tous les uns et les autres interdépendants, il n'y a pas de planète plan B, que nous sommes tous les autres responsables de l'autre, même si on ne l'aime pas. Et donc cette citoyenneté mondiale, c'est peut-être le rendez-vous de la COP21. Mais en même temps, l'on voit bien que le rapport à l'humain est en train de changer. Et que nous avons probablement, là aussi, une formidable opportunité à ce que l'éthique de la pensée et de l'action soit aujourd'hui, au moment où la technique envisage de robotiser les hommes et d'humaniser les robots, c'est peut-être de revenir à l'essence même de ce qu'est la nature humaine, c'est la capacité, comme Simone Veil le disait auprès du général de Gaulle, les peuples ont besoin de plus de grandeur que de pain. Et aujourd'hui, pour beaucoup, il manque de pain, mais il manque aussi beaucoup de grandeur. Et je crois que si le dialogue est un partage, l'avenir n'est pas seulement au savoir et au partage, mais l'avenir est à celles et ceux qui nous interpellent, qui nous questionnent sur l'essentiel même du sens que l'on doit donner à notre vie. Et merci Jean d'avoir organisé avec toutes vos équipes, au combat que vous menez sur la planète entière, aux autorités politiques qui par vous, Madame la Ministre, apporter du crédit à ce combat, à vous qui, au niveau de l'Europe, êtes confrontés
non pas à une maîtrise budgétaire, mais à un choix de société. Au nom de la liberté, est-ce que tout est autorisé ou est-ce qu'au nom du respect, tout ne peut pas être interdit? C'est cela qui, à mon avis, est aujourd'hui au cœur de notre réflexion, car si, au nom de l'espérance, tout est possible, nous devons être attentifs que celles et ceux qui cherchent à utiliser les peurs doivent être en permanence condamnés. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye de nous recevoir ici avec, avec mes amis caricaturistes qui viennent du monde entier et qui sont là ici pour témoigner de leur travail de résistance dans des endroits difficiles. Vous verrez et vous interpellerez d'ailleurs, je compte beaucoup sur la salle pour pouvoir réagir à ce que a dit Jean-Paul Delevoye ici au Conseil économique, social et environnemental, pour pouvoir aussi rebondir sur ce que va vous dire la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et puis Jean-Louis Ville concernant l'Europe, parce que c'est pas difficile. Là, vous voyez, il y a plein de projecteurs qui sont éclairés, qui sont là un peu pour nous, nous interpeller. Et si on regarde les projecteurs, à l'intérieur des lampes qui nous éblouissent, eh ben, ça me rappelle que le rôle de nous, dessinateurs de presse, on est là pour éclairer. Et si on éblouit les lecteurs avec nos dessins, il n'y a pas de débat. Or ici, toute la journée ici, au Conseil économique, social et environnemental, on va être ici pour le plaisir de faire des débats. Ici, vous avez aussi même des petites caméras verticales, parce que toute la journée, des dessinateurs vont s'exprimer simplement, librement. Je regardais le petit nez en retroussette, comme ça, de Jean-Paul Devoy. Je me disais, je vois bien le dessin qu'on peut faire, mais bon, on ne peut pas être partout. Mais la petite mèche de cheveux, tout ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans son bureau. Mais c'est un bon client pour la caricature. Et moi, j'aime dire à chaque fois que quand des hommes, des femmes politiques sont des bons clients pour la caricature, d'ailleurs, je propose que de temps en temps, on donne des copyrights à tous les hommes et les femmes politiques qui nous aident et qui nous, finalement, on gagne un peu d'argent avec la caricature. Mais en fait, c'est un peu grâce à vous, hein, quand même, c'est vrai. Et puis, de temps en temps, quand vous faites des dérapages, nous, on se jette dessus et on a besoin de ces dérapages. Et nous sommes, d'ailleurs, nous-mêmes, des militants du dérapage, je dirais du dérapage contrôlé, parce qu'on se dit, tiens, on s'adresse quand même à des lecteurs qui ont une culture supposée. Hein, quand je travaille au journal Le Monde ou à l'Express, j'imagine la culture des gens auxquels je m'adresse. Et à la fois, comme vous disiez, la liberté, elle peut se retourner contre nous parce que Internet peut se retourner, être manipulé par des gens pas forcément bien intentionnés. Pourquoi on se retrouve ici? Parce que au lendemain des caricatures. Ah ben voilà, je vois que Vado, qui depuis Bruxelles, mais il est ici, Vado, il a fait déjà des dessins. Ben voilà, vous voyez que vous êtes un bon client. Et on voit qu'ensemble, on est de mèche. Quand je vois la manière dont il vous a fait un dessin, qui n'est pas tiré par les cheveux, mais qui est très réussi, il a beaucoup de talent. Et donc, le boulot du dessinateur de presse, c'est de réagir. Je me souviens de ce moment terrible où on se souvient que le 7 janvier, bon, bah, il fallait absolument se dire, bon, bah, voilà, on a basculé, déjà avec nos amis danois, et il y a ici un des 12 dessinateurs danois du Jyllands-Posten qui s'était exprimé en 2006, et qui ont, ces dessinateurs danois à Copenhague, avaient été manipulés, et c'est la raison pour laquelle on avait créé avec Kofi Annan Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, pour qu'on puisse, ensemble, avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, pouvoir réagir et rebondir et faire ensemble que nous, les dessinateurs, on puisse ne rien lâcher sur l'essentiel. Ne rien lâcher sur l'essentiel. Je vois Raima qui est là, elle arrive du Venezuela. C'est une vraie résistante du dessin de presse. Elle a contre elle, déjà à l'époque de Hugo Chavez, on y reviendra tout le temps, toute la journée, elle avait Hugo Chavez sur le dos qui donnait non seulement son nom, son adresse.
Ces orientations sexuelles à la télévision, c'est ahurissant. Comment un dessinateur, la pression d'un dessinateur à côté d'elle, il y a Bonnie qui est en Équateur, qui a des problèmes avec son propre président. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ça va être très vivant. Et puis quand on est allé avec toute mon équipe de Cartooning for Peace, je ne peux pas citer tout le monde, mais on était avec Isis, on était avec Laure au Proche-Orient. Quand on est revenu du Proche-Orient, avec mes amis Régis Debré, vous voyez, n'imaginez pas qu'on puisse réunir cette belle rencontre ici au Conseil économique, social et environnemental. On ne peut pas le faire sans le regard d'une puissance éditoriale comme Régis Debré. Quand on est revenu d'Israël et de Palestine, avec l'équipe de Cartooning for Peace, où on avait réuni nos amis palestiniens, je vois Khalil Abou Arafat, je vois Michel Kishka qui doit être quelque part par là, et qui, depuis Jérusalem, Michel Kishka, et depuis la Palestine, avec Khalil Abou Arafat, on a, malgré les pressions, vous n'imaginez pas maintenant les bouderies régressives qui existent maintenant pour « non, tu ne dois pas aller dessiner, tu ne dois pas rencontrer des dessinateurs palestiniens, non, ton avion ne doit pas se poser à Tel Aviv, il faut boycotter ». Non, on rassemble tout le monde. On n'est pas d'accord, ce n'est pas le problème. On n'est pas d'accord, on va faire vibrer vos opinions. Parce que nous, on est des petits passeurs. Nous, les dessins, très bien, petite corporation, très bien, mais ce n'est pas le corporatisme qui nous intéresse. C'est de se dire, maintenant, on parle à des lecteurs, on parle à des auditeurs, on parle à des internautes qui comprennent ou qui ne comprennent pas des fois. On le voit bien avec les attentats du 7 janvier, qui ne comprennent pas forcément les images. Et c'est pour ça qu'il y a une dessinatrice formidable qui s'appelle Bénédicte Sambo et qui, depuis Genève, elle dessine un petit schtroumpf et qui est tout effrayé et qui dit « Bon, il faut schtroumpfer, mais pas au-delà de la liberté de schtroumpf » parce que finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut plus dire les mots. Ben, si, il faut les dire. Il faut continuer à les dire, il faut trouver la force de pouvoir échanger. Et donc, quand on est revenu de Jérusalem et de Ramallah et de Bethléem, et que nous avons parlé avec Régis Debré et Antoine Gallimard, qui nous a donné le titre de cette rencontre, « Le dessin de presse dans tous ses états », état E majuscule T-A-T-S, eh bien, Régis m'a dit « il faut absolument que tu rebondisses et que tu puisses faire une proposition » pédagogique, qui se terminera avec beaucoup de professeurs qui vont aussi intervenir pour qu'à la fin de la journée, on puisse dire « Oui, Cartooning for Peace sert à quelque chose pour faire ce petit passeur auprès des pédagogues qui, eux, vont nous aider à prolonger dans les écoles du secondaire. » Dans le secondaire, il faut aussi savoir qu'il y a des petits gosses de quatrième qui nous disent « Oui, ils sont morts et c'est bien fait pour eux. » Parce qu'il y a des petits jeunes qui ne comprennent pas certains dessins, et puis il y a les grands frères, puis il y a des fois la famille, qui leur a inculqué beaucoup de choses. Il faut désapprendre l'intolérance. Et quand on a fait la première rencontre à New York, au siège des Nations Unies, avec Kofi Annan, nous, notre premier colloque, c'était désapprendre l'intolérance. Et donc ça, c'est le boulot énorme que nous avons à faire. Et je crois que le plus simple, c'est aussi d'essayer de donner la parole, d'abord de remercier tous les gens qui nous ont permis de faire cette rencontre. Et alors évidemment, j'ai parlé d'Antoine Gallimard, mais c'est vrai que nous avons aussi la Fondation EDF, le secrétariat d'État aux affaires européennes. Tout à l'heure, il y aura Harlem Désir qui viendra de parler de l'Europe. N'oublions pas que si il se passe des choses en ce moment en Hongrie, pensez que nous, ça fait 10 ans que nous dénonçons certains dessins, parce que les dessins, ils sont géniaux, mais des fois, il y a des dessins, comme en France dans les années 30, il y a des dessins qui sont contre les libertés d'expression, et il y a des dessins antisémites, nous les montrerons tout à l'heure. Nous avons la SCAM qui nous aide, le groupe Publicis, évidemment, Agnès B., l'ambassade de France en Algérie, la mutuelle MGEN qui nous aide depuis le début de la création de Cartooning for Peace, Posca, tous les feutres que vous allez voir, et tous les dessinateurs qui dessinent ici, c'est avec des feutres Posca, évidemment Jean-Claude Decaux, et puis du côté des médias, France Culture, Courrier International, RFI France 24, TV5 Monde, Arte, Les Inrecuptibles, le 1 d'Éric Fotorino qui sera présent tout à l'heure, et puis le journal Le Monde, bien sûr, qui, vous n'imaginez pas le travail que je fais grâce au journal Le Monde, parce que si je connais tous ces dessinateurs du monde entier, c'est grâce à l'image du journal Le Monde qui m'a aidé à rencontrer, parce que quand on m'invite,
Moi, depuis, ça fait 43 ans que je suis au journal Le Monde, si on m'a donné l'opportunité de rencontrer tous ces dessinateurs, c'est évidemment grâce à l'image de ce journal qui me porte et que j'essaye de prolonger par mes dessins et qui sont des dessins des fois impertinents. Il y a un dessin, il n'y a pas longtemps, j'étais devant le juge, et c'est pas, et je dis ça devant la garde des Sceaux, j'étais devant le juge parce que j'avais fait des dessins sur la pédophilie de l'Église catholique. Heureusement, les choses se sont arrangées depuis, il paraît. Mais j'avais fait un petit, entre autres, j'avais fait un petit évêque qui tient par la porte, qui tient par la main un petit enfant. Et puis l'évêque, il disait, bon, bah, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et le petit garçon, il disait, bah, y a bien qu'elle. Bon, bah, voilà, je ne suis pas au-dessus des lois. J'ai été mis en examen, j'ai été relaxé. Et ça, c'est le boulot de tous les jours des dessinateurs de presse. Et maintenant, je passe la parole. Alors, peut-être Jean. Voilà, oui. Je vous pouvais faire. Merci Jean. On peut l'applaudir Jean, parce que vraiment c'est formidable. Je voudrais dire, avant de passer la parole à M. Janville, Madame le garde des Sceaux et Jean, merci à toutes les équipes, et de Jean, et du Conseil économique, social et environnemental, qui, malgré toutes les interrogations des uns et des autres, se sont livrés avec enthousiasme pour que vous soyez reçus dans les meilleures conditions. L'exposition est magnifique à voir et vous verrez sur les grilles du Palais d'Iéna, sur la rue Demain, toute une série de caricatures du monde entier qui agrémentent ce colloque. Nous allons passer maintenant la parole à M. Jean-Louis Ville, qui est chef de l'unité gouvernance, démocratie, genre et démocratie et droits de l'homme à la Commission européenne. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et je rappelle que Jean-Louis Ville s'occupe de la Commission européenne et c'est vrai que si on ne comprend pas que nous, on est dans un pays, la France, on aime notre pays. On a besoin du regard de mes amis dessinateurs pour mieux comprendre la France. Mais c'est vrai que si on ne comprend pas ce qui se passe au Proche-Orient, si on ne comprend pas ce que dessinent les dessinateurs du Proche-Orient, des dessinateurs du Maghreb, si on ne comprend pas la Méditerranée, on ne peut pas comprendre l'Europe. Et c'est pour ça que l'Europe a quelques petits mots à vous dire, parce qu'on ne peut pas comprendre toute la dimension et de ces incompréhensions si on ne comprend pas la Méditerranée aujourd'hui. Et c'est la plaque tournante de l'avenir, de pas Cartooning for Peace, de nos débats à nous, Européens. On ne comprendra mieux l'Europe que si on comprend la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci pour ces mots d'introduction qui sont importants. Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. Je tiens tout d'abord à vous dire à quel point je suis honoré de pouvoir parler ici, entouré de personnes éloquentes et distinguées, comme vous l'avez entendu, d'un sujet qui me tient, mais qui nous tient particulièrement à cœur aussi au sein de la Commission européenne, un sujet qui touche à l'essence même de notre travail. La liberté d'expression est un droit fondamental de tout être humain et au cœur des valeurs défendues par l'Union. Aucun pays ne peut adhérer à l'Union sans reconnaître et sans garantir ce droit humain fondamental. Je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui, notamment lorsque l'on voit se dérouler devant nous un certain nombre d'événements sur le sol même de l'Union européenne. De la même façon, l'Union européenne est déterminée à promouvoir et à protéger la liberté d'expression dans le monde et condamne régulièrement le niveau croissant d'intimidation et de violence subie par les journalistes, par les acteurs des médias en général et par les caricaturistes. Pour ce faire, l'Union a un certain nombre d'outils à sa disposition et je voudrais en quelques mots, même pas quelques minutes, quelques mots vous les indiquer. Tout d'abord, des moyens diplomatiques. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne a adopté l'an dernier des lignes directrices sur la liberté d'expression en ligne et hors ligne qui rappellent les principes fixés et les clés des priorités et des outils afin que les délégations de l'Union et les services du siège puissent promouvoir, défendre encore mieux la liberté d'expression dans le monde. Dans plusieurs pays du monde, les démarches politiques sont entreprises au nom de l'Union afin que les droits soient respectés. Opérationnel ensuite. Partout dans le monde, à travers divers instruments européens, et notamment l'instrument européen pour la démocratie et le droit de l'homme que j'ai le plaisir de gérer, c'est un instrument financier qui est destiné à
financer la société civile, les organisations de la société civile qui apportent le soutien et protègent les défenseurs des droits de l'homme sur l'ensemble de la planète. C'est un outil absolument formidable qui me permet de financer des centaines de projets relatifs à la liberté d'expression dans le monde, mais aussi de venir en aide aux journalistes, victimes de harcèlement, aux agresseurs, aux victimes d'agression, soutenir des initiatives comme celle de Cartooning for Peace, qui, à notre yeux, est absolument fondamentale. Je crois que pour cette partie-là, en tout cas, les citoyens européens peuvent être très fiers de ce qu'on fait en leur nom. La Commission européenne que je représente ici est déterminée à poursuivre ses efforts en coopération avec les États membres et les autres institutions européennes, bien évidemment. Nous devons tous agir ensemble afin de défendre les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de l'Europe. Je voudrais finir en citant une phrase de George Orwell, parce que préparer une intervention aboutit nécessairement à aller chercher une référence, et je vous propose celle-ci. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Je vous souhaite une journée riche en débats fructueux et pourquoi pas en impertinence. Je crois qu'on a déjà commencé visuellement avec certaines cartes, certains papiers. En un mot et en un seul, une journée de liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en vous écoutant, je me disais, mais oui, mais l'Europe, c'est vrai qu'on l'aime comme ça. Alors là, je l'ai dessiné, comme toujours, en train de se faire enlever par Zeus déguisé en taureau. Bon. Et à la fois, on l'aime comme ça. Et à la fois, ça me rappelle que si on va sur l'Arc de Triomphe, il y a l'Europe qui dépose, qui s'agenoue devant Napoléon. Et ça m'énerve parce que l'Europe, elle ne doit jamais être à genoux. Elle doit se relever et être debout. Et c'est pour ça que je l'aime comme ça. Elle est généreuse. Je le fais avec une petite poitrine un peu généreuse, mais enfin bon, ça fait partie de... Plus on est généreux, plus ça se voit dans les rondeurs, et c'est comme ça que j'aime voir l'Europe, et c'est comme ça qu'on va ne rester jamais à genoux, et encore moins avec nos petits feutres, et on le sera toute la journée. Et maintenant, la parole est à Christiane Taubira, et merci beaucoup d'être avec nous. Merci. La pensée humaniste. La pensée humaniste envisage les hommes dans leur imperfection actuelle. Elle accepte avec Montaigne que leur jardin reste à jamais imparfait. C'est une pensée de Zvetan Todorov qui me paraît judicieuse pour ouvrir les travaux que vous allez conduire, les réflexions que vous allez conduire toute la journée. Parce que, en fait, disposer de soi, de sa conscience, de sa raison, de son libre arbitre, de sa faculté de jugement, émettre une opinion, entretenir une croyance ou se dégager de toute croyance, c'est ça les libertés. Il y a la liberté générique et les libertés qui se déclinent. Et l'État doit garantir l'exercice de ces libertés. A contrario, disposer d'autrui, de sa personne, de son esprit, de sa destinée, sont des interdits que l'État doit garantir en respect parce que ce sont ces interdits qui permettent l'exercice des droits et des libertés. Et l'État doit garantir tous ces interdits, y compris contre lui-même, y compris contre ses propres excès, même dans l'exercice de ses pouvoirs régaliens, en tout cas en démocratie. Nous dépérissons, je crois, et nous périssons même, de ne plus prendre ni le temps, ni le risque d'interroger ceux que nous considérons comme essentiels et même comme acquis, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles repose notre vie commune. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous remercier d'avoir pris l'initiative de cette rencontre, vous remercier, vous, Jean Plantu, de m'avoir invité, même si ça fait quelques mois que vous m'en canaillez, de m'avoir invité et surtout d'avoir accepté un partenariat avec le ministère de la Justice qui permettra que dans quelques semaines, vos deux expositions pédagogiques, celle qui concerne les dessins pour la paix et celle sur 1914-2014, c'est-à-dire un siècle de dessins sur les guerres,
que ces deux expositions pédagogiques circulent dans nos établissements pénitentiaires. Vous avez accepté également d'être grand témoin dans la journée La culture en détention que nous organisons au ministère de la Justice. Merci pour ce partenariat. Merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de nous donner l'hospitalité ici. Et merci aux éminentes personnalités qui sont là et à vous tous, ces caricaturistes qui ont traversé les terres et les mers pour venir jusqu'à nous. À quoi nous engage la démocratie ? Cette démocratie que je viens de décrire avec les droits et les libertés ainsi que les interdits. Elle nous engage en fait à vivre dans une société qui repose sur une règle clairement énoncée après avoir été librement débattue. Et la liberté de la presse, qui inclut la liberté de caricature, la liberté de la presse est la plus sensible des libertés et d'elle émane toute une série d'autres libertés. D'ailleurs, ce sont des débats qui sont vieux puisque en 1791, devant la Société des Amis de la Constitution, Maximilien Robespierre déclarait que la faculté de penser, au-delà de cette faculté de penser, la liberté de transmettre ses pensées à ses semblables est un des attributs qui distingue l'homme de la brute. C'est l'attribut le plus pertinent et c'est l'instrument de la perfection de la société. Alors, je sais bien qu'il n'est pas de bon aloi de citer Robespierre, en tout cas pas partout, compte tenu du rôle qu'il a joué dans la terreur qui a suivi, mais indépendamment de l'exégèse qu'on peut faire de la suite de la pré-période révolutionnaire immédiate, il y a là la démonstration de l'intensité des débats sur la liberté de la presse, de la vivacité des discussions sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Et ce que nous pouvons nous demander depuis, c'est quel est l'écrin de cette liberté. Et l'écrin de cette liberté, c'est tout simplement le droit, la règle qui doit être connue de tous et qui doit s'imposer à tous. Et d'ailleurs, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, est sans ambiguïté. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et dans ces quelques mots, il y a l'évacuation d'une prétendue tension entre la liberté et l'égalité, entre ceux qui pensent qu'il faut préférer la liberté à l'égalité, ceux qui pensent que l'égalité est l'accomplissement suprême des promesses de la République. Dans cette phrase unique, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique clairement qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas d'antagonisme. Et s'il y a des tensions dialectiques, il faut reconnaître à la fois les nécessités de la liberté et l'ambition de l'égalité. Il me paraît par contre, pour le sujet qui nous intéresse, que dans cet article, il y a, et dans toute la Déclaration des droits de l'homme, il y a une contradiction plus intéressante. Cette contradiction consiste à la reconnaissance de toute une série de droits inaliénables à l'homme et en même temps une définition des droits du citoyen. Et la définition des droits du citoyen, c'est-à-dire la possibilité pour un État de reconnaître des droits à ses ressortissants et de ne pas étendre ses droits à l'homme, cette contradiction me paraît importante, même si la Déclaration a décidé de l'intégrer, donc n'a pas été capable de la dissoudre, mais l'a intégrée, et on voit bien que ces droits inaliénables de l'homme sont parfois percutés par les droits qui sont reconnus à des citoyens et qui ne sont pas reconnus à ceux qui n'appartiennent pas à cet État. Mais en fait, c'est une déclaration qui est très fortement marquée par son époque, l'époque de son éclosion, puisqu'elle suit de peu la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il y a la Révolution américaine, l'indépendance des 13 colonies, cette période de guerre qui va de 1776 à 1783, qui sera clôturée par le traité de Paris, donc l'implication et la relation intense entre les États-Unis et la France, le traité de Paris de 1783, et bien entendu la Constitution des États-Unis,
qui sera adopté en 1787 et qui sera applicable à partir de mars 1789. Autrement dit, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle est bien issue du bouillonnement des deux rives de l'Atlantique, de la façon dont les communautés humaines de chaque côté pensent et organisent leur libération et leur émancipation. Cette influence, parce que je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas juste un document de 1789, c'est un document qui appartient à notre bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que la Constitution française a intégré cette déclaration et les articles de cette déclaration sont donc encore contemporains pour nous puisqu'ils appartiennent à notre Constitution. Donc, la protection qu'apporte la démocratie est liée à cela, c'est-à-dire à permettre à l'individu, au citoyen, d'échapper à la contrainte. La contrainte avec une majuscule, c'est-à-dire toutes les séries de contraintes qu'on peut imaginer, mais essentiellement la contrainte issue de la domination par une autorité, qui peut être l'autorité d'État ou qui peut être une autorité cléricale. Ça a été le cas au temps de la monarchie absolue sous l'Ancien Régime, la monarchie de droit divin, mais c'est le cas aujourd'hui encore dans des États théocratiques qui imposent des comportements aux citoyens et limitent leur liberté sur la base justement d'une référence à un droit national qui serait de source divine. Je n'évoque pas Daesh, je parle d'État théocratique, de démocratie et d'État théocratique. Je n'évoque pas Daesh parce que Daesh lui-même s'est mis hors de toute limite et hors des normes. Et qu'en tout état de cause, il ne reconnaît pas ce qui est intrinsèque à la nature humaine, c'est-à-dire des droits naturels, puisque j'évoquais tout à l'heure les droits inaliénables. Ce qu'il est important de saisir pour l'interrogation qui, aujourd'hui, nous paraît tellement difficile à traiter compte tenu de la sensibilité des réponses qu'on peut apporter, ce qui me paraît important, c'est de revenir effectivement à la façon dont nous avons été imprégnés de cette réflexion sur les libertés, sur leur fondement, leur légitimité, surtout leur nécessité. Y revenir parce que, pour citer à nouveau Todorov, nous avons besoin, c'est un besoin fondamental de comprendre le passé pour la simple raison que nous venons de ce passé et que pour nous comprendre nous-mêmes, il nous faut quelques références dans le passé. Le combat pour la liberté est un vieux, vieux, vieux combat. Lorsque nous remontons à la Révolution française, nous avons l'impression de remonter le temps. Mais le combat pour la liberté est infiniment plus vieux que cela. Et il y a eu des décisions de pouvoir qui ont été prises et qui ont indiqué à certains moments et en certains lieux l'importance d'assurer et de garantir la liberté. Parfois la tentation de l'encadrer fortement, mais l'importance souvent de l'assurer et de la garantir. Et c'est ce qui peut nous intéresser pour comprendre le caractère contemporain de cette exigence de liberté, voir comment dans le temps et dans l'espace, des réponses ont été apportées à cette liberté. Je ne vous propose pas de remonter à l'époque de Périclès à Athènes, même si c'est une période tout à fait intéressante, pour comprendre comment le pouvoir réfléchit, pense la liberté. On peut essayer de trouver la longue trajectoire de ce qui est devenu entre-temps l'idéal républicain. Cette longue trajectoire, on la trouve également, par exemple, dans la République de Rome. On la trouve dans l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla qui reconnaît la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire romain. Et l'Empire romain est vaste à cette époque. C'est le début du IIIe siècle de notre ère. Et même si certains historiens ont considéré que cette généralisation de la citoyenneté avait essentiellement des motivation fiscale, il demeure qu'il y a un acte majeur, inédit alors, de généralisation de la citoyenneté sur la totalité de l'Empire, c'est-à-dire les peuples qui ont été dominés. Cet idéal républicain, c'est-à-dire cette chose commune, la res publica, poursuit sa trajectoire au siècle des Lumières, bien entendu, la Révolution française, mais également sous la Troisième et sous la Quatrième République. Même si cette Troisième et cette Quatrième République
ont un contenu, ont certaines dispositions discriminatoires, parce qu'elles couvrent des périodes coloniales et que la contradiction portée par les empires, c'est-à-dire les périphéries des métropoles, conduisent ces métropoles, et la France en fait partie, conduisent ces métropoles à établir des catégories de citoyenneté et en fait tout simplement à poser des sujets et des personnes sans droit à inclure du statut personnel, etc. Donc nous avons néanmoins cette revendication et surtout cet engagement sur l'idéal républicain. Il est important de signaler quelques reculs qui sont importants, en tout cas qui sont significatifs. Par exemple, à la Révolution en 1789, la liberté pour tous sauf pour les esclaves. Par exemple, en 1848, le suffrage universel, donc pour tous, sauf pour les femmes. En 1834, par exemple, les catégories, les étages de citoyenneté pour les musulmans et pour les juifs. Donc on voit bien que toute la trajectoire de progression de l'idéal républicain est travaillée constamment par des contradictions qui atténuent, bien entendu, la portée de cet idéal. À partir de la Ve République, en tout cas, au moins dans l'esprit et dans la lettre, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne faut pas faire de distinction entre les citoyens. C'est énoncé, c'est inscrit dans la Constitution. Donc, aucune différence, aucun particularisme ne peut servir de prétexte. La République s'affiche donc comme récusant toute tyrannie, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, comme refusant le despotisme, y compris lorsqu'il est éclairé. La République dit très clairement qu'elle ne reconnaît aucune faveur, aucun privilège de caste, et que les citoyens sont tous égaux. Nous avons connu des répliques depuis la Révolution, des répliques de ferveur fraternelle, pour revendiquer et exiger des libertés nouvelles et surtout l'application et l'effectivité de ces libertés et de ces droits. Il y a eu le moment de la Commune. Ces moments de ferveur sont toujours des moments, évidemment, à la fois positifs et négatifs, à la fois de progrès et de recul. Nous avons eu la Commune, nous avons eu également après, mais même avant d'ailleurs, même avant l'établissement d'une série de normes sur ces libertés, qu'il s'agisse de la liberté syndicale, de la liberté d'association, de la liberté de la presse, bien entendu, de la liberté de conscience, de la liberté de culte. Donc ça, c'est un édifice qui se construit à partir des normes, c'est un édifice qui se construit aussi à partir d'un programme, c'est le cas avec le Conseil national de la résistance. Nous avons donc une longue histoire où il y a une poursuite de cet idéal républicain avec pour ambition, avec pour horizon, l'égalité entre tous les citoyens. La lucidité, cependant, dont René Char disait d'ailleurs que c'est la blessure la plus proche du soleil, la lucidité nous oblige à dire très clairement qu'il y a eu constamment des reculs importants, constamment des reculs importants, et que la République elle-même s'est parfois déshonorée parce qu'elle a cohabité, elle a intégré des contradictions qui étaient exactement l'inverse des libertés qu'elle proclamait. Ça a été le cas évidemment pendant l'esclavage, ça a été pendant le travail forcé et pendant d'autres servitudes. Et il est important de s'en souvenir parce que c'est en repérant ces contradictions-là qu'on peut comprendre les survivances aujourd'hui, les survivances qui se traduisent par des préjugés discriminatoires, mais aussi par des rancœurs tenaces. Nous avons donc quelques leçons de l'histoire qui nous rappellent à quel point, qui nous rappellent à quel point l'aspiration à la liberté est une aspiration essentielle, fondamentale. Cette aspiration à la liberté, en fait, elle est le ressort à la fois des individus et des peuples. Parce que même lorsque les individus ou les peuples sont dépossédés de tout, il arrive un moment où les individus ou les peuples se redressent. Ils se redressent parce qu'ils estiment, ils ressentent profondément leur appartenance à l'humanité. Mais on se demande si cette appartenance à l'humanité n'est pas trop vaste, trop large, trop haute pour donner une emprise à des mouvements collectifs. Et on voit bien que c'est la contestation de la légitimité des dominations
qui pèse davantage que ce sentiment d'appartenance vaste et large à l'humanité. Et j'évoquais tout à l'heure la contradiction contenue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On voit bien que cette contradiction, elle est répliquée dans les conventions internationales qui suivent la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qu'il s'agisse de la Convention de Genève de 1951 qui définit le statut des réfugiés, qu'il s'agisse même de la charte de l'Organisation des Nations Unies. On voit bien comment ces conventions, ces documents internationaux, qui sont censés protéger les hommes dans le monde entier, comment ces documents internationaux, finalement, réintègrent cette contradiction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne lèvent pas l'ambivalence, se contentent de se placer sous l'aile de cette ambivalence, puisque obligation est faite d'accueillir un réfugié, c'est-à-dire que le droit d'asile est reconnu à toute personne qui est persécutée dans son pays, mais si obligation est faite d'accueillir, obligation n'est pas faite d'héberger, puisqu'il relève de la souveraineté des États qui organisent eux-mêmes leur droit d'asile de définir le sort de ces personnes et donc de décider éventuellement d'envoyer cette personne ailleurs avec la seule interdiction de ne pas la renvoyer dans ce pays. Et si ce droit a été renvoyé à la souveraineté des États, c'est parce qu'en fait, il a pris de la force à un moment où prenait force aussi le droit des États, c'est-à-dire l'irruption de ces nouvelles nations vers la moitié du XXe siècle, avec pour principale conséquence une sacralisation des frontières. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle, on peut se référer par exemple à ce qu'écrit Stéphane Zweig dans ce très très beau livre brillant, foisonnant, extrêmement subtil qu'est Le Monde d'hier, où il dit que rien sans doute ne montre de façon plus sensible le formidable recul qu'a connu le monde que les limitations qui sont infligées à la liberté de mouvement. Alors, évidemment, il écrit ça avant l'instauration des quatre libertés de circulation, circulation des biens, circulation des personnes, circulation des capitaux, circulation des services, mais il n'empêche qu'on voit bien les limitations qui sont données à la circulation des personnes. Et pourtant, cette liberté de circulation, et notamment pour les personnes qui subissent des persécutions, ce que vous faites en solidarité, notamment avec les caricaturistes qui sont opprimés dans leur pays, cette liberté, elle est proclamée depuis très longtemps, puisque, en plus de ce que je vous ai dit sur le grand parcours qui aboutit à cet idéal républicain, depuis très longtemps, Grotius, par exemple, en 1625, Grotius qui est considéré comme celui qui a posé les fondements même du droit international, mais qui a quand même pensé l'État, donc la souveraineté, lui-même disait déjà qu'il y a obligation à accueillir les personnes qui subissent une haine imméritée. Et lorsqu'on revient de façon plus proche, à notre époque et plus proche de nous, physiquement également, lorsque Derrida explique ce qu'est l'hospitalité et qui dit « l'hospitalité, c'est ce qui m'expose à l'autre en ce que l'autre m'affecte », on voit bien que la pensée est la même, avec plus de 5 siècles d'écart, la pensée reste la même quant au devoir vis-à-vis des autres. Que nous dit la liberté de la presse ? La liberté de la presse, dont je rappelle que la caricature en fait partie intégrante. La liberté de la presse est matricielle par rapport aux autres libertés. La liberté de caricature, qui est particulière parce qu'elle apporte un art à la liberté de la presse, elle apporte également une vision très aiguisée de la société, une aptitude à la concision et à la distance. Cette liberté de caricature, elle a, comme tous les arts, évidemment, ses virtuoses et ses cancres, même si je sais bien que vous n'invitez pas les cancres. Mais cette liberté de caricature s'inscrit dans la liberté... Là, il y a un dessin de Willis from Tunis qui travaille à Tunis et elle fait partie des impertinents et des résistantes de la Tunisie de l'après Ben Ali. C'est toujours très courageux ce qu'elle décide. Elle est quelque part. Bravo. En plus, c'est très pertinent. Et c'est impertinent.
Je disais donc que la République a inscrit la liberté de la presse au titre des droits fondamentaux. Et cette liberté de la presse a accompagné en fait toutes les émancipations, tous les combats pour la démocratie, parce qu'elle est un rempart contre les injustices et contre les abus. Et lorsqu'on se réfère à quelques épisodes paroxystiques, on voit à quel point la liberté de la presse et la liberté de caricature sont essentielles. Et on pourrait se demander ce que serait devenu le capitaine Dreyfus sans la liberté, sans la presse, sans l'aurore de Georges Clemenceau, sans le J'accuse d'Émile Zola. Que serait devenu le capitaine Dreyfus? Que seraient aujourd'hui les contre-pouvoirs et les lanceurs d'alerte sans la liberté de la presse et sans l'appui de la presse? Et la tentation de bâillonner la presse aussi est très vieille. Elle est très vieille. Mais il y a toujours eu en face de ceux qui veulent bâillonner la presse, ceux qui ont su expliquer l'importance de laisser la presse libre. Je pense à l'ordonnance de Polignac, par exemple, dont on sait quel rôle il a joué durant les Trois Glorieuses, et notamment pour le détournement et la confiscation de la révolte populaire en 1830, dans son ordonnance qui suspend la liberté de la presse au prétexte que la presse est un instrument de désordre et de sédition. Lorsqu'il limite ainsi la liberté de la presse, il trouve en face de lui Chateaubriand qui lui répond que la presse, c'est la foudre à l'état, c'est la parole à l'état de foudre. La presse, c'est la parole à l'état de foudre. C'est l'électricité sociale, et plus on va chercher à la comprimer, plus l'explosion sera violente. Donc il y a ceux qui ne résistent pas à la tentation de limiter la presse. Il y a toujours en face une parole qui s'élève pour rappeler à quel point il est essentiel pour la démocratie que la presse soit libre. Alors aujourd'hui, on peut penser que les risques sur la liberté de la presse, en tout cas en France, ne sont pas tellement dans l'État. Ne sont pas au niveau de l'État, même si ces derniers mois, à l'occasion des discussions sur le projet de loi et la loi organisant et encadrant le renseignement administratif, nous avons entendu fortement des inquiétudes sur les risques d'intrusion, d'abus de ces services administratifs sur la presse moins, mais surtout les inquiétudes relayées par la presse concernaient les risques d'intrusion sur la vie privée des citoyens. Nous savons depuis une vingtaine d'années que les risques émanent beaucoup de groupes financiers et économiques qui organisent la dépendance de façon à pouvoir orienter les éditoriaux. Et puis, nous voyons bien que la caricature en particulier est confrontée à un péril nouveau, qui est un péril majeur. Ce péril est sans commune mesure avec ce que nous avons connu, parce qu'au service de son intolérance, il met toute une série d'armes qui sont nouvelles et une arme absolue. Nous sommes habitués aux poursuites judiciaires, nous sommes habitués au harcèlement procédurier, vous en parliez tout à l'heure, nous sommes habitués aux menaces en l'air, nous sommes habitués vraiment à toute une série de réactions d'intolérance, mais qui restaient des réactions d'intolérance. Maintenant, la caricature est confrontée à l'arme absolue. La liberté n'a jamais été absolue, et je sais que c'est la question que vous allez vous poser toute la journée. Elle n'a jamais été absolue, elle a toujours été limitée. D'abord, elle est limitée, elle est définie dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est définie dans la loi sur la presse de 1881. Cette loi postule clairement la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mais elle dit qu'il y a des limites à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Mais elle limite ses limites. Elle vise à encadrer ses limites pour que ces limites ne servent pas de prétexte à de la censure. Donc, la liberté n'a jamais été absolue. Et aucune réponse aux transgressions ne peut être absolue. La mort est un absolu. Aucune réponse à aucune transgression ne peut être absolue. C'est à la société de définir comment elle répond à des transgressions éventuelles. C'est la société qui le définit, elle le définit par le droit, elle le définit par la justice. Mais il n'appartient à personne ni de se faire justice lui-même,
ni surtout d'apporter une réponse absolue. Et si cette intolérance prospère, c'est parce qu'elle a pu s'épanouir sur un grand désordre et une grande confusion liée à l'incompréhension et l'ignorance de ce qu'est vraiment la laïcité. La laïcité est un principe de concorde qui nous permet une vie sociale, indépendamment des particularismes, des singularités, indépendamment des choix de vie, indépendamment des apparences, des croyances, des appartenances. Mais ça, c'est la vertu passive de la laïcité. La vertu active de la laïcité doit enfin être revigorée. Et cette vertu active, c'est celle qui permet de nourrir l'esprit critique, d'irriguer la raison, de susciter l'intérêt vis-à-vis des autres, d'avoir accès à la joie de vivre, tout simplement, d'être réceptif à la raison de l'autre, d'être perméable aux vérités des autres. Et cette laïcité, elle ne se mêle pas de religion, elle ne combat pas les religions, elle n'en privilégie aucune, simplement, cette laïcité, elle permet que dans l'espace public, nous puissions vivre tout en étant profondément différents. Et c'est pour cela que nous devons réactiver et revigorer sa vertu positive, parce que c'est dans ces conditions que nous allons remporter les victoires nécessaires. C'est sur les esprits qu'il nous faut travailler. C'est en expliquant qu'en vivant ensemble, nous devons accepter d'être contrariés, nous devons accepter d'être dérangés, nous devons accepter d'être blessés. Nous devons accepter de souffrir, y compris dans nos convictions intimes, dans nos croyances intimes. Nous devons accepter l'inconvénient, justement, de la vie commune, parce que c'est la condition, justement, de nos libertés. Donc, il faut simplement arriver à remporter ces victoires-là. Ces victoires, elles se remportent dans les esprits. Elle se remporte dans les esprits parce que, tout simplement, il nous faut arriver à convaincre ceux qui ne conçoivent pas d'être dérangés, d'être ébranlés, d'être blessés. Il nous faut arriver à les convaincre qu'il y a ceux qui méritent, qu'il y a ceux, c'est très aimable, qu'il y a ceux qui méritent. Alors, je vais vous faire cadeau pour moi la liberté de caricature, moi aussi, quoi, je n'ai pas la liberté de la caricature, moi aussi. Il y a ceux qui méritent simplement, qui doivent savoir qu'il y a ceux qui méritent de vivre. Et ceux qui méritent de vivre, c'est par exemple, et ça ce sont les mots de Mahmoud Darwish, ceux qui méritent de vivre, c'est les hésitations d'avril, c'est l'odeur du pain à l'aube. C'est l'opinion d'une femme sur les hommes, y compris sur les caricaturistes. Ce sont les écrits d'Eschyle. Ce sont les débuts d'un amour. Et c'est l'herbe sur les pierres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous nous faites rêver et il faut que les choses soient bien à leur place. Les caricaturistes, on dit souvent, un dessin vaut mieux qu'un long discours et il faut savoir écouter les discours pour pouvoir après se nourrir de tous ces discours que vous retrouverez d'ailleurs dès le printemps prochain dans un livre Gallimard qui reprendra tout ce qui est le contenu de ce que tout ce que nous avons fait ensemble. Et en tout cas, je vous remercie bien et je donne la parole à notre ami Jean-Lémarie qui, lui, va maintenant animer toutes les conférences que nous allons avoir avec des intellectuels, avec des dessinateurs, avec des religieux, avec des enseignants, pour qu'au bout du compte, on puisse comprendre que ce combat que vous nous aidez à faire est un combat, évidemment, contre le fondamentalisme, bien sûr, mais aussi un combat contre les ignorances. Et c'est tout le travail pédagogique que nous avons à faire ensemble et avec vous. Et je vous remercie encore. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Deux phrases peut-être m'ont marqué, vous ont marqué depuis le début de la matinée. Il y en a eu beaucoup, de même qu'il y a eu beaucoup de dessins déjà. Limiter les limites et faire vibrer les opinions. Ben voilà ce qu'on va continuer à faire ensemble. J'ai eu le plaisir de le faire avec des dessinateurs tous les jours, chaque matin sur France Info pendant un long moment. On va continuer à le faire, notamment cet après-midi, puisque vous avez ici parmi vous une quinzaine de dessinateurs qui viennent du monde entier, qui ont des parcours incroyables, des coups de crayon incroyables aussi, vous avez commencé à les voir. Ben, ils seront avec nous tout à l'heure pour débattre, pour parler de ses limites, de ses envies. Et vous verrez, ce sera un moment important. Mais d'abord, place peut-être au cadre, puisque le dessin de presse ne vient pas de nulle part. Il a un passé, il a un futur aussi. Et pour en parler, deux historiens d'abord, pour nous dessiner cette perspective. J'appelle Jean-Noël Jeannet et Pascal Horry. Je vous en prie, messieurs. Jean-Noël Jeannet, l'ancien président de la Bibliothèque nationale de France, que vous entendez également dans la même maison que moi sur France Culture, Concordance des temps, deux éclairages historiques pour poser le cadre, et puis on va continuer à parler davantage tout à l'heure. C'est à vous. Merci, mon cher Jean. C'est un privilège, évidemment, de me trouver devant vous. Je l'éprouve comme tel, mais c'est aussi une rude gageure. Vous m'avez donné un quart d'heure et trois images pour considérer la très longue durée, la profondeur de l'histoire de la caricature. Mais enfin, il faut affronter toutes les gageures. Après tout, un sonnet n'a que 14 vers. Et il faut toujours se mettre à l'intérieur des obligations qu'on vous fait. Je souhaite commencer en observant, puisqu'il s'agit de longue durée, le contraste très frappant entre l'extension linéaire de l'influence de la caricature, du dessin de presse, dans l'ordre de l'espace et aussi dans l'ordre de la durée, et d'autre part, le caractère extrêmement sinusoïdal suivant les pays, et en particulier l'intérieur du nôtre, dont je vous parlerai surtout, étant moins incompétent pour la France, caractère sinusoïdal des relations entre la liberté d'expression des dessinateurs d'un côté et d'autre part la pression politique et aussi sociale qui est toujours exercée sur eux. Le caractère linéaire de la longue durée depuis les premiers dessins, je ne remonterai pas, faute de temps mon cher, jusqu'au néolithique et jusqu'aux dessins pariétaux sur les murs des grottes que nous avons retrouvées. Mais même si on ne remonte qu'à l'Antiquité, il y a évidemment une énorme différence entre les dessins grotesques qu'on trouve sur les murs de Pompéi, et en particulier des bordels, et puis sur les coupes dont on se servait jusqu'à notre civilisation numérique. D'un côté, un dessin fait à destination extrêmement réduite, et de l'autre, l'universalisme quasi absolu et la promptitude de la diffusion des dessins dont nous parlons. Et dans le même temps, on constate un caractère très, très variable des libertés qui sont accordées, tiens, j'ai déjà 23 minutes 17. Vous avez, vous, une promptitude exceptionnelle. Oubliez le compteur. J'oublierai, oui, je suis très capable, donc ça veut dire que ma liberté est désormais... Alors, infini. Limiter les limites, disions-nous tout à l'heure. Je limiterai les limites. Le caractère sinusoïdal, disais-je, de l'histoire des relations avec les limites qui s'exercent toujours sur la liberté d'expression. Je ne remonterai pas au-delà des guerres de religion, mais elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de rappeler à quel point s'organisent toujours un commerce spécifique entre l'évolution de la technique et la diffusion des dessins de presse et des caricatures en général. L'invention de l'imprimerie est à cet égard absolument décisive, et puis ensuite toutes les formes d'impression par la xylographie sur bois, la calcographie sur le cuivre, l'invention de la... également en 1796, l'invention de la linotypie qui permet de développer
abondamment la lithographie, veux-je dire, pardon, la lithographie qui permet de développer également la promptitude de l'impression et de la diffusion jusqu'aux formes du numérique que j'évoquais tout à l'heure. En revanche, vous disais-je, sinusoïde dans les relations avec les pouvoirs publics, et ce sont souvent les moments de tension sociale ou politique extrême qui, paradoxalement, libèrent une certaine forme de liberté. C'est clair du moment des guerres de religion, très clair, où à partir de l'affrontement entre les gens de la réforme et les papistes et les catholiques, à partir de là se libère une capacité de dérision qui nous laisse des traces aujourd'hui. Prenez simplement Cranach l'Ancien montrant le pape sur une truie avec un étron à la main. Je ne cite que cet exemple pour montrer que on n'avait pas à l'époque de la modération dans l'expression des sentiments violents qui pouvaient vous agiter. Puis ensuite progressivement, avec l'arrivée en France de la monarchie absolue, la réduction de la liberté, lorsque Bernin vient en France et importe les portraits-charges contre les courtisans et contre les ministres, il se garde de les montrer. Et en même temps, le mot de portrait-charge est intéressant parce que, pour nous, il porte déjà à l'intérieur de lui-même toute la force de ce que nous souhaitons défendre et exprimer. C'est à la fois la charge contre ce qu'on n'aime pas, c'est aussi la charge du fusil ou du pistolet qui s'apprête à tirer. Et puis c'est tout ce qui nourrit, tout ce qui pèse sur l'expression de la caricature dans sa forme la plus achevée. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que, d'abord sous le manteau et ensuite de façon plus explicite, la caricature reprenne toute sa force. Au moment du bicentenaire, dont j'avais eu un peu à m'occuper, nous avions republié des albums de caricatures du côté de la Révolution et de la Contre-Révolution. On était frappés par l'extraordinaire violence qui s'exprimait avec toutes les formes, en particulier de la scatologie extrêmement présente et qui aujourd'hui, je crois, choquerait, surprendrait sous la plume de nos dessinateurs. La Révolution française est une période de jaillissement au plein jour de cette vitalité d'agression qui se trouve entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires et aussi des deux côtés de la Manche. La Grande-Bretagne ayant, avec la liberté de la presse, appris à développer aussi la liberté du dessin. Il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Gilray. Les Anglais à Londres viennent devant sa boutique jour après jour. C'est un peu comme l'apparition des nouveaux personnages de Guignol de l'Info. Viennent voir dans sa boutique quels sont les nouveaux personnages caricaturés par lui. Sous le consulat et l'Empire, la caricature est étouffée comme elle l'est sous la Restauration. La ministre tout à l'heure évoquait 1830. Il est vrai que cette révolution se fait pour la liberté de la presse et en particulier pour la liberté du trait des dessinateurs. C'est pourquoi les débuts de la monarchie de Juillet sont un moment d'efflorescence, de profusion de talents qui se manifestent par exemple par le succès de la publication qui s'appelle La Caricature, et par l'émergence à côté de Philippon qui dessine le roi en poire. Et voyez d'ailleurs à ce propos comme à certains moments, c'est mystérieux, comment un dessin, comment un personnage vient cristalliser de façon tellement intense, on pourra multiplier les exemples au XXe siècle, tellement intense ce que peut être l'opinion publique dans ses déterminations, dans ses frustrations, dans ses aspirations, à un moment donné, que cette image demeure dans les mémoires comme étant non seulement symbolique, mais comme signifiant ce moment-là. Et puisque je ne peux guère citer d'autres dessinateurs, évidemment, il faut faire à ce propos un sort à Daumier, le très grand Daumier. Je voudrais qu'on montre le fameux dessin de la rue Transnonain, si la technique le veut bien. Ça marche très bien. C'est un moment où le roi Louis-Philippe, violant d'ailleurs toutes ses promesses de 1830, le voilà. Merci, vient réduire à Cuillat avec une extrême brutalité une révolte populaire. Voilà un petit bourgeois qui est assassiné et dont l'enfant
et dont l'enfant est sous le corps, également mort dans son sang. Il y a un commentaire magnifique de Baudelaire sur ce dessin d'un homme dont Michelet disait que c'était le Michel-Ange de la caricature. C'est un, pour vous tous ici, caricaturistes et gens de presse rassemblés, voilà un beau défi à relever. À côté de Michel-Ange, il reste quelques autres grands peintres à quoi vous pouvez vous assimiler. Baudelaire disait aussi de Daumier, il a quelques rapports avec Molière. Je trouve que ça peut être un épigraphe pour nos rencontres d'aujourd'hui. Comme lui, il va droit au but, l'idée se dégage d'emblée, on regarde, on a compris. On regarde, on a compris. Alors ensuite, les attentats contre le roi justifient que le couvercle retombe. Et je voudrais m'attarder un bref instant, le mot attarder ne devrait pas passer sous ma bouche, mon cher Jean, mais enfin, je insister un instant sur la période de l'âge d'or en France qui va de 1880 à 1914, 1880 à 1914, et qui suscite, je crois, est propre à susciter pour nos préoccupations actuelles beaucoup de réflexions spécifiques. C'est le moment d'ailleurs où le grand dessinateur André Gide invente la figure immortelle d'Anastasie. Anastasie, cette vieille fille osseuse, aux binocles inquiétants et aux ciseaux encore plus préoccupants, qui incarne la censure. Anastasie, c'est la censure. Et en même temps, c'est aussi la période de la plus grande liberté par rapport au pouvoir public. Il faut relire, je l'ai fait récemment, les débats de 1881 à la Chambre et au Sénat qui prépare la loi sur la presse et par conséquent sur le dessin de presse qui est d'un libéralisme que ne connaissent aucun des pays voisins. Il y a des controverses très intéressantes pour nous aujourd'hui à la tribune entre ceux qui, à propos du blasphème, oui du blasphème, tel Monseigneur Frepel, l'ecclésiastique député, qui viennent dire « Nous avons besoin de l'État pour protéger les religions contre toutes les attaques insupportables. » Et en face, tous ceux qui sont autour de Georges Clémenceau, Mme Taubira a naturellement cité Clémenceau, je réitère, il faut toujours citer Clémenceau, qui vient dire avec les siens, avec les radicaux, les socialistes commençants, qui vient dire que s'il y a une divinité, quelle qu'elle soit, il n'y croit pas, mais il respecte ceux qui le croient, alors elle doit être tout de même assez puissante pour être capable de se défendre toute seule. Ce qui a comme conséquence qu'il considère qu'à un niveau plus subalterne, les hommes publics ne doivent être en rien défendus contre les attaques des dessinateurs de presse et contre les caricatures. Ce qui aboutit pendant ces années-là à des dévergondages dans les dessins qui nous laissent aujourd'hui un peu pantois. Je ne citerai que ce livre de Léon Daudet sur Louis Barthou, garde des Sceaux, il y en a un autre qui est ici et que je salue, Georges Kegeman, mais je crois qu'il était protégé contre ce genre de dessin puisqu'on voit, ça s'écrit S-E-A-U-X dans le titre, naturellement garde des Sceaux, on le voit dessiné en petit chien qui court dans des maisons closes. C'est donc une liberté payée par le personnel politique à sa détermination de ne pas punir le blasphème. Et alors le résultat, c'est qu'il y a à cette époque des attaques débridées de l'anticléricalisme contre toutes les religions. J'ai choisi parmi les trois images que vous m'avez accordées, voulez-vous bien la montrer, la couverture de l'assiette au beurre qui a duré une dizaine d'années, qui est un compendium, un résumé, un rassemblement de talents incroyables. Il y a Villon, Steinlen, Juan Gris, Van Dongen, Grand Juan, etc. Et ce numéro organisé par François Kupka, le 7 mai 1904, est dirigé contre toutes les religions. Si j'avais eu plus d'images, je vous montrerais les images intérieures. Vous serez, je crois, stupéfaits si vous ne les connaissez pas, par l'incroyable violence, j'allais dire vitalité, disons violence, dirigée contre l'islam, contre le judaïsme dans ses formes les plus étroites, contre le christianisme. Une violence incroyable, mais je vous y renvoie, vous trouvez ça sur la toile. Toutes les religions monothéistes et polythéistes sont violemment mises en cause, et dans le même temps, on trouve à la même période de nombreux stéréotypes de la xénophobie dans cette même assiette au beurre, contre les Allemands, contre les Anglais. Vous trouverez une sorte d'anglaise extrêmement plate
qui photographie froidement avec son Kodak des malheureux Indiens opprimés par la pauvreté. Et cela, évidemment, conduit à... et je m'apprête, mon cher, sous votre regard inquiet, à sortir mon train d'atterrissage. Il y a en même temps une dénonciation du racisme qui est portée par le colonialisme contre les Noirs et contre les Arabes. La même assiette au beurre offre un résumé de l'indignation contre l'oppression des peuples supposés inférieurs, comme disait Jules Ferry, par les races supérieures, qui peut aujourd'hui garder une très grande force. Par quoi l'on est conduit finalement à l'autre grande question, c'est l'effet de la liberté quasi absolue du côté du racisme. On a évoqué déjà l'affaire Dreyfus, elle porte tous les talents et elle manifeste tous les excès à nos yeux du point de vue du racisme. Du côté de l'anti-dreyfusisme, les talents de Carandache, vous savez, Carandache, l'auteur de L'immortel destin, on n'en parlera pas, suivi d'un autre, on en a parlé, à une table bourgeoise, Carandache, Forain, et puis de l'autre côté, du côté du dreyfusisme, du côté de ceux qui refusent qu'on fasse sortir dans les dessins Émile Zola de latrine, de ce côté-là, les dessinateurs que j'ai évoqués, notamment, et puis en particulier Hermann Pohl et Steinlein. Et en même temps, ce sont des années jusqu'en 1940 où se déploie l'antisémitisme, diverses forces de racisme, et en particulier l'antisémitisme qui vient donner des dessins qui nous apparaissent aujourd'hui propres à créer vraiment un haut le cœur, avec en particulier ces variations éternelles sur les traits physiques supposés des sémites. Et j'ai choisi comme troisième image, voulez-vous la montrer s'il vous plaît, une image que je trouve saisissante et qui va dans le dernier numéro de Je suis partout, cet hebdomadaire de la collaboration passionnelle. Dernier numéro avant que ces journalistes et ces dessinateurs s'enfuient vers l'Allemagne, le dessin de Ralph Soupault, qui avait un grand talent. Georges Mandel, personnage considérable, le grand Mandel, le collaborateur du même Clémenceau, vient d'être assassiné par la milice à quoi les Allemands l'ont livré. Et vous voyez ce dessin où la mort accueille Mandel en lui disant « Tu viens retrouver ta vieille amie ». L'avantage de montrer ces images, c'est de ramasser sous votre regard jusqu'où peut aller l'infamie. Et bien sûr, le climat à cet égard change à partir de 1945. La Shoah notamment, mais pas seulement, rend insupportable un certain nombre de dessins comme celui-là. Et la liberté va demeurer très très large jusqu'à certains mouvements qui peuvent apparaître débridés à l'occasion de mai 68, mais de cela Pascal Horry va vous parler. Et en même temps, c'est l'occasion de réfléchir aux limites du tolérable, car comme l'a dit Plantu tout à l'heure, il n'y a jamais de liberté absolue. Il y a toujours un certain nombre de limites. Et l'extrême difficulté devant l'opinion publique et devant votre profession, c'est de réussir à en déterminer exactement le tracé. Je parle de ces frontières. Les limites du tolérable ont changé, évidemment, dans l'ordre du racisme, ce que tous les grands talents brillants qui surgissent à ce moment-là acceptent de grand cœur et même souhaitent servir ce refus-là, tandis que la progressive déchristianisation de notre société, tout à la fois, ici encore, je parle à très gros traits, mais vous m'y condamnez, la progressive déchristianisation de notre société, tout à la fois limite la force des indignations catholiques et en même temps le goût de les provoquer. Naturellement, des exemples, dont un que Plantu citait ce matin sur les ondes de Radio France Internationale. Mais enfin, il me semble qu'à cet égard, l'évolution est claire et que c'est par conséquent sur un autre front, en face d'une autre religion, que le problème va ressurgir, que les dessinateurs doivent affronter la nécessité de faire comprendre, et c'est difficile, en particulier dans nos classes, de faire comprendre la différence fondamentale en démocratie entre la critique même vive des religions et les leaders du racisme. C'est un défi pour le dessin de presse, mais après tout, c'est aussi un défi pour tous les citoyens ici rassemblés. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Noël Jeannet dans ce panorama.
on a envie de saisir chacun des jalons, de s'y arrêter et d'aller plus loin, mais je pense que ça va donner aussi du grain à moudre au prochain débat sur le droit, la liberté, sur la place aussi de la religion face à ces dessins, et puis les débats que nous aurons aussi avec nos amis dessinateurs tout à l'heure. Merci infiniment. Pascal Horry, c'est à vous. On continue ce panorama historique. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste d'histoire culturelle. Dites-nous comment ça continue, comment cet espace se déploie après les quelques jalons que Jean-Noël Jeannet nous a tracés. Oui, Jean. prendre le relais de Jean-Noël Jeannet, c'est évidemment entrer dans une histoire résolument contemporaine. Il faut prendre le mot au pied de la lettre. D'une certaine façon, ça veut dire que chacun d'entre nous dans cet hémicycle, cette histoire-là, il l'a vécue, il la vit comme témoin, et même, je pense toujours, si peu que ce soit comme acteur, ne serait-ce que comme lecteur du dessin de presse, parce que le dessin de presse, on peut en faire beaucoup de définitions, mais entre autres, c'est un dessin qui peut se regarder, qui peut se contempler, mais qui doit se lire. Une affaire tout à fait récente, il y a très peu de jours, montre bien qu'il est nécessaire de savoir lire les dessins de presse. C'est une de leurs qualités, c'est un de leurs drames aussi, quand on les lit de travers. Alors, cette histoire contemporaine, c'est aussi une histoire qu'il n'est plus possible de considérer dans une étroite acception nationale. Jean-Noël l'a déjà suggéré. Pour ne citer que cet exemple qui, clairement, est présent ce matin, cet après-midi aussi dans tous les esprits, l'histoire tragique, pour en revenir sur la différence entre le drame et la tragédie, l'histoire tragique dite des caricatures de Mahomet part du Danemark, passe dans divers pays d'Europe, soulève l'émotion dans divers pays de cette région qui doit vraiment être appelée le Proche-Orient, parce qu'elle est très proche, et se cristallise avec la violence que vous savez en France pour revenir au Danemark. Donc clairement, faisons sauter les frontières quand nous réfléchissons maintenant à la situation du dessin de presse aujourd'hui. Cartooning for Peace en est le meilleur exemple positif. C'est en quelque sorte le positif du négatif que je viens de décrire sur la nécessaire internationalisation de la réflexion sur le dessin de presse, et pas que, évidemment. Alors plutôt que de suivre une chronologie ou une géographie sans grande signification, dans les 14 minutes qui me restent, n'est-ce pas Jean, je voudrais proposer trois lignes de réflexion sur ce qui, rétrospectivement, à la lumière du 7 janvier 2015, apparaît comme, alors une fois de plus, peut-être un âge d'or de la presse. Les âges d'or, comme vous le savez, c'est a posteriori qu'on les construit, donc peut-être parce qu'il y a eu le 7 janvier, on aura tendance à reconstruire le demi-siècle qui m'était imparti comme un âge d'or, un de plus, en France certainement, mais aussi, je pense, dans beaucoup de pays du monde. Ces trois axes de réflexion, c'est d'abord de revenir sur ce qui a pu faire de ce demi-siècle, dont j'espère que nous ne sommes pas complètement sortis, une conjoncture favorable à la liberté d'expression dessinée, mais sans doute plus généralement à la liberté d'expression. Ensuite, revenir avec 3-4 images. Pour l'instant, on a cette image-là. J'ai voulu commencer sur cette image que vous connaissez. Je reviendrai sur la signification en profondeur du drame de janvier 15, devenu une tragédie, sur le statut du dessin de presse, mais je dirais surtout le statut du dessinateur de presse. Je crois que c'est quand même important, même si j'enfonce quelques portes ouvertes. Et je voudrais terminer de façon peut-être plus inquiète, mais être inquiet, ça ne veut pas dire qu'on succombe à l'inquiétude et surtout à une sorte de considération sur un avenir inquiétant, mais des considérations peut-être plus inquiètes, c'est-à-dire qui nous obligent à ne pas rester quiets, pas rester trop passif sur ce qui pourrait, alors non pas menacer classiquement le dessin de presse, mais nous amener à relativiser tout ce que j'aurais dit précédemment. Alors, conjoncture favorable à la liberté d'expression dessinée, évidemment dans le cadre plus large encore d'une promotion de ce qu'on appelle significativement maintenant dans notre jargon la culture visuelle. On peut dire que désormais, la culture visuelle est une question capitale pour nos sociétés, aussi bien pour ceux qui la pratiquent que pour ceux qui, au fond, la promeuvent. Et ce n'est pas tout à fait par hasard si ce demi-siècle dont je parle à cet instant, c'est aussi le moment de la promotion de la cousine du dessin de presse, qui est la bande dessinée. C'est à partir des années 60 que se constitue une bédéphilie, que commence à apparaître une métaphore du 9e art. Il se passe comme ça des mouvements profonds qui disent beaucoup de choses sur la reconfiguration de la culture visuelle. Et du côté du dessin de presse proprement dit, je crois que ce qui est très important, c'est de repérer, alors en France, mais on pourrait trouver l'équivalent dans d'autres pays, au moins d'Occident, des signes de
croissance, ou même d'entrer dans la respectabilité. Vous savez, il n'y a pas de respectabilité, il n'y a que des preuves de respectabilité. D'une certaine façon, le journal Le Monde, cité tout à l'heure par un de ses plus éminents collaborateurs, en est un bel exemple, puisque c'est à la fin des années 60 seulement que le journal Le Monde accepte de s'ouvrir de façon systématique et régulière au dessin. C'est toute une histoire à refaire en détail que celle du refus du journal Le Monde, dans des perspectives qui remontent, j'allais dire, au déluge pratiquement, bien avant la création du Monde, cette méfiance à l'égard du dessin dans ce journal éminent dit de référence et qui finit par entrouvrir sa porte. Et d'ailleurs, au même moment, il est assez récent de voir, à la fin des années 60, qu'un hebdomadaire qui émerge à cette époque, qui est le Nouvel Observateur, s'ouvre aussi au dessin, copie, et 10 ans plus tard, Bretéché. Il faut dire Bretéché. Bon. Donc, respectabilité, mais qu'en est-il de la liberté? Alors, on peut tout de suite objecter, pour prendre toujours un exemple français, mais je répète, il faut être international aussi dans nos perspectives, l'interdiction de l'hebdo harakiri après la fameuse une balle tragique à Colombey, un mort. Je fais remarquer que la fameuse une est typographique. C'est de l'image, c'est pas au sens strict du dessin, parce qu'elle figure évidemment dans l'histoire du dessin, c'est du dessin d'une certaine façon, c'est entièrement un effet typographique, mais justement, le dessin peut se permettre ce luxe-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évidemment la vivre comme elle a été vécue sur le coup, comme un acte de censure de l'État, du ministre de l'Intérieur, citons même son nom, Raymond Marcellin, mais en fait, c'est plutôt une date positive pour le dessin de presse en France, voire au-delà, puisque cet acte de censure est évidemment, une fois de plus, on l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis ce matin, un acte de reconnaissance de l'importance qu'on accorde à la force du dessin. Et puis de l'autre, il a suscité, cet acte de censure, une levée de bouclier dans la presse généraliste, auxquels ont été très sensibles les gens de Harakiri mensuel, qui avaient eu l'impression que quand c'était le Harakiri mensuel, les camarades journalistes étaient peut-être moins solidaires. Mais là, on avait fait autre chose, on avait fait un hebdomadaire d'abord, un hebdomadaire qui suivait l'actualité en particulier politique, et un hebdomadaire satirique qui se resituait dans la tradition du grand dessin. Et bien entendu, ça permettra de protéger le nouveau titre, qui bien sûr est Charlie Hebdo. Donc ça me paraît être un événement absolument positif, et même fondateur pour la liberté d'expression dessinée en France, voire au-delà. Alors certes, à son tour, Charlie Hebdo se trouvera traîné devant les tribunaux, mais l'analyse fine qui a été faite par d'autres que par moi, je précise, plusieurs d'entre vous la connaissent par cœur, cette analyse, des procès faits à Charlie Hebdo montre bien que ces procès, eh bien Charlie Hebdo, surtout dans la dernière période depuis 1992, les gagne massivement. C'est-à-dire qu'on traîne Charlie Hebdo devant les tribunaux. Maître Kiechmann pourra oui, on aura l'occasion d'en parler mais, dans quelques minutes. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est 75% à peu près, de 1992 à 2015, dans l'ensemble, il les gagne. Et même ceux qu'il perd, on peut se poser la question de savoir dans quelles conditions il les perd. Alors, à l'échelle de la planète, si on élargit, effectivement, ça me paraît indispensable, ce dernier demi-siècle, je dirais que c'est également, clairement, un siècle qui permet cette promotion d'une liberté de l'expression dessinée quand on considère la géopolitique générale de la liberté d'expression à l'échelle des continents. À l'échelle des continents, sur un demi-siècle, donc nous ne soyons pas trop écrasés sur l'événement, et en particulier les événements de janvier et des mois qui ont suivi cette année. Nous sommes encore en 2015. C'est quand même tout récent. Pour un historien, c'est quand même tout récent. Mais considérons, sur un demi-siècle, la chute des dictatures militaires de droite et d'extrême droite en Europe ou en Amérique latine, la chute de l'Union soviétique et des démocraties populaires. Bon. Et dans les pays de vieille tradition libérale, quantité de signes qui montrent le recul de formes d'intolérance ou même de restriction à la liberté d'expression, qui pouvait paraître d'ailleurs assez symbolique, mais puisqu'on a cité à plusieurs reprises, et Jean-Noël à l'instant tout à l'heure, le mot de blasphème, il faut rappeler que symboliquement, on l'a noté à l'époque, les Pays-Bas qui sont le pays de Spinoza et aussi de Pim Fortuyn, parce qu'il ne s'est pas qu'un cadeau, les Pays-Bas, ce n'est pas que Spinoza Rembrandt, c'est aussi Pim Fortuyn, eh bien, ont supprimé solennellement la loi réprimant le blasphème en 2013. Je trouve que c'est tout à fait significatif. Et c'est là que j'en arrive à quelques images, en partant du dessin de Plantu, parce que dans un deuxième temps, je voudrais insister sur la signification en profondeur du drame de janvier 15 en ce qui concerne le statut du dessin et surtout, me semble-t-il, du dessinateur de presse. Parce qu'au fond, si j'essaye de faire de l'histoire culturelle, vous l'avez cité, Jean, c'est parce que ce n'est pas le dessin de presse qui m'intéresse, c'est le dessinateur de presse. Une des premières thèses d'histoire culturelle portait sur la physique et c'était une thèse qui disait ben, je ne vais pas étudier la physique, mais les physiciens. Parlons des dessinateurs plus que du dessin, qui a quelque chose de paradoxalement presque abstrait. Alors, ce serait résumé en quatre images, dont une seule
est un dessin de presse, et elle sera répétée, ce qui fera 5 slides, vous avez le premier là, le dessin de Plantu, vendredi 9 janvier, Le Monde, daté du 10, mais nous sommes le 9 janvier. Cet hommage à la liberté guidant le peuple de Delacroix situe la perspective du dessinateur de presse dans la ligne des beaux-arts, sous sa forme la plus claire. L'image suivante est photographique, vous la connaissez presque autant, c'est la photo de Martin Argiroglo, 11 janvier au soir, qui clairement s'inspire, consciemment ou inconsciemment, mais enfin l'auteur le dit consciemment dans son cadrage, de Delacroix. Je ne dis pas qu'elle s'inspire forcément de Plantu, parce que de toute façon, il y avait un moment depuis quelques heures, depuis quelques jours, qui consistait à dire qu'effectivement, on était dans des perspectives qui s'apparentaient au grand moment révolutionnaire ou para-révolutionnaire de l'histoire. Et l'analyse suivante, image suivante, qui a été faite dans Obs.fr le 13 janvier, montre que, effectivement, la photo, alors vous savez que c'était en rafale, donc Argiroglo avait fait d'autres photos, mais la photo d'Argiroglo correspond exactement au nombre d'or, c'est-à-dire à la suite de Fibonacci. Et l'image suivante montre qu'on peut aller au-delà et que l'autre photo que vous connaissez, qui est la version diurne d'un autre photographe, Stéphane Mahé, a fini par être affichée à la façade du Centre Pompidou. Pourquoi je vous montre des photos et pas des dessins? C'est parce qu'évidemment, ça n'a de sens que parce que ce sont des photos qui exaltent le crayon, qui exaltent l'arme pacifique mais efficace du dessinateur. On peut dire que là, on a un moment exceptionnel dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire du dessin de presse. Ce qui me permet de revenir, pour terminer d'ailleurs, sur le dessin de Plantu. Tout ça croisé avec les milliers de manifestants du soir du 7, puisque je rappelle que la première manifestation, c'est le soir du 7, place de la République. Les millions de manifestants des jours suivants, le crayon est une arme, c'est un drapeau, c'est un symbole. Je rappelle que symbole, ça veut dire signe de reconnaissance, et que ce qui s'oppose au symbole, c'est ce qui divise le diabole, le diable. C'est quand même fondamental, là. Alors, le retour à Plantu, ça nous permet de nous rappeler que d'une certaine façon, il y a un constat qui remonte à 2005. L'importance, évidemment, aujourd'hui, et pas hier, et pas effectivement à l'époque de Louis-Philippe ou de l'entre-deux-guerres ou de l'affaire Dreyfus, aussi aujourd'hui, l'importance de la caricature, du dessin de presse, aux yeux d'un acteur très différent des acteurs précédents, l'iconoclaste, pour aller vite, celui qui a une certaine phobie de l'image, ou en tous les cas de la représentation, vaste problème. Et puis, confondu ou distinct de l'iconoclaste, du fondamentaliste, le fondamentaliste peut être iconoclaste ou pas, le fondamentaliste qui n'admet pas qu'on critique l'absolu, et je vais dans le même sens que Jean-Noël, lisez, vous ne manquez pas de le faire tous les soirs, lisez les papes de l'époque de la Révolution française qui condamnent obstinément la liberté d'expression. Parce que comment peut-il y avoir une liberté d'expression face à l'erreur? Il y a une vérité avec un V, il y a une erreur, donc pas de liberté d'expression pour l'erreur. Les papes répètent ça pendant 2 générations de papes, quand même. Jean-Paul II dira autre chose, mais beaucoup plus tard. Critique de l'absolu, et puis l'usage du rire. Pensez au Nom de la Rose, Umberto Eco, la méfiance du clair et au-delà du clair, à l'égard, voire la haine à l'égard du rire. Et effectivement, ça me permet de conclure ce deuxième point, rapidement, sur le fait que la crise de janvier 15 s'est traduite par quoi? Par une extraordinaire valorisation du dessinateur de presse. Parce que, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, le dessinateur de presse, jusqu'au 7 janvier vers 11h30, était quand même dévalorisé des deux côtés. Par rapport à l'artiste avec un grand A, il avait tout faux, le dessinateur de presse. C'était un dessinateur, pas un peintre, pas un plasticien. C'était quelqu'un qui était dans la duplication. C'était quelqu'un qui était dans l'actualité, dans l'urgence, dans l'instrumentalisation. C'était généralement quelqu'un qui était dans le figuratif. Bon, côté des artistes, bon. Et côté des journalistes, soyons clairs, le dessinateur de presse, ce n'est ni un éditorialiste, ni un grand reporter. Donc il vient toujours après. Là, évidemment, il s'est passé quelque chose de fondamental. Il s'est passé quelque chose de fondamental, mais c'est pour ça que je dis qu'il s'est passé une tragédie. C'est qu'il y a eu aussi la rencontre, frère Kouachi Charlie, entre deux radicalismes. Je voudrais rappeler que la société anonyme de Charlie Hebdo s'appelait Kalachnikov. Donc là, il y a quelque chose de très profond. C'est pour ça que je termine par quelques considérations sur les signes, peut-être quand même inquiétants, pour l'avenir. D'abord, dans les mutations de la demande de censure, plusieurs personnes l'ont déjà dit, au fond, une bonne partie des dessinateurs de presse, et plus généralement des guerriers de la liberté d'expression,
ont pris l'habitude de se battre contre l'État. Dans beaucoup de pays du monde, c'est encore une priorité, évidemment. Inutile de faire un dessin, si j'ose dire. Mais de plus en plus en Occident, c'est la société civile qui réclame la censure. Les associations diverses et variées, les ligues de vertu, les lobbies confessionnels, etc. C'est la société civile qui essaye de ne pas comprendre le dessin de Rhys sur Elan. Et plus subtilement, il y a aussi le maintien d'une forme d'autocensure que prouve bien le déphasage, il faut être clair, entre les réactions de beaucoup de pays, généralement de culture catholique, qui auraient beaucoup de choses à dire, face à des pays de culture protestante, et en particulier les États-Unis, qui ont cumulé le puritanisme et le communautarisme, et qui ont pu flouter des dessins de caricatures de Mahomet. Là, il y a une vraie question qui est d'actualité et qui ne vient pas de Daesh, que je sache. Plus en profondeur, il y a aussi, j'ai encore pour deux points, rapidement, Jean, plus en profondeur, il y a aussi la crise culturelle que traverse le dessin de presse, parce que c'est la crise de la presse écrite, qui est quand même le support, qui reste le support privilégié de cette presse satirique. La crise spécifique de la presse satirique au sein de la presse écrite, le Charlie Hebdo qu'on agresse était en déclin, chacun le sait. La limite des substituts, la télévision, oui, pendant un certain temps, beaucoup moins me semble-t-il aujourd'hui, et quid d'Internet, pour simplifier, vous connaissez l'antienne, Internet, on n'a pas trouvé le modèle économique, j'ajouterais, Internet, on n'a pas trouvé le modèle culturel. Qu'en est-il de la place demain du dessin sur Internet? Bien, les artistes ici présents pourront nous répondre. Reste, effectivement, d'une certaine façon, je ne dirais pas il leur faut une bonne guerre, reste l'omniprésence de ces cultures autoritaires et totalitaires, dans certains pays au pouvoir, dans d'autres pays toujours présentes, contre lesquels les dessinateurs peuvent se lever. Jean-Noël a montré un dessin antisémite de collaborationniste. Les dessinateurs ne sont pas tous des humanistes, hein, que ce soit bien clair, mais ils peuvent se battre pour l'humanisme, avec la force tranquille de l'image fixe. Moi, j'aime bien le mot image fixe, parce que j'ai commencé avec la culture visuelle, j'ai terminé avec ça. C'est de l'image, et c'est de l'image fixe. D'une certaine façon, ça pourrait paraître un peu obsolète face à l'audiovisuel. Et je trouve qu'il y a une force de la fixité de l'image, y compris parfois hypnotique, une force dans cette représentation. Donc, on peut dire que, espérons que cette force va permettre aux dessinateurs de presse de résister à ce qui, de toute façon, ne disparaîtra jamais, c'est-à-dire les tendances inévitables d'une partie de l'opinion, de chacun d'entre nous en tant qu'individu, à vouloir censurer l'autre. Je ne me fais strictement aucune illusion. Rappelons-nous en tous les cas qu'en 2015, nous sommes encore en 2015, le temps passe vite, mais nous sommes encore en 2015, janvier, ça paraît brutalement très loin, et Copenhague qui a suivi, comme vous le savez, comme réplique sismique. Mais rappelons-nous que le dessinateur de presse, le 7 janvier 2015, vers 11h30, 11h45, a gagné sa carte de presse de son sang. Merci Pascal Horry, merci à tous les deux pour ce panorama. Dans ce que vous avez dit, j'entends énormément de points qui vont alimenter les débats suivants, et notamment dans quelques minutes après notre pause, les interventions à venir de Jack Lang et de Georges Kejman sur cette liberté, les limites ou pas de cette liberté. Vous l'avez vu, messieurs, pendant que vous parliez, les dessinateurs dessinaient, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils sont là, ils dessinent et c'est très bien. D'autres dessins encore derrière nous, on va en voir aussi dans les prochaines minutes. Je signale également, vous l'avez vu, la présence de Régis Debray, le philosophe, le directeur de la revue Medium, qui est à l'origine avec Plantu de cette journée. Régis, est-ce que vous voulez nous dire déjà un mot sur ce que vous avez entendu? Vous l'avez compris, je suis dans le très mauvais rôle aujourd'hui du censeur. On parlait d'Anastasie tout à l'heure, le censeur c'est moi, je cours après la montre pour que nos invités se sentent le plus à l'aise possible. Mais je voudrais qu'on prenne quand même une minute, Régis Debray, pour un premier point ensemble. Oui, je vais être court compte tenu du temps et des retards. Je remercie d'abord Jean-Noël Jeannet d'avoir rappelé que la caricature, comme disait Baudelaire, ne relève pas seulement de la comédie mais de la tragédie, parce qu'elle implique de jeux sur le difforme et l'horrible, en nous rappelant le rôle barbare qu'ont pu jouer les caricaturistes, notamment antisémites et anti-noirs. Simplement, en tant que historien de la Révolution française, je pense que tu aurais pu dire un mot du projet de décret contre les délits, résultant de l'impression et de la publication de gravures dès 1790, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la gravure est notée comme quelque chose de beaucoup plus dangereux que l'écrit. Et maintenant, je voudrais interroger Pascal Horry sur le point suivant. Parmi les signes inquiétants, tu en as relevé beaucoup et tu as eu raison, est-ce qu'il ne faut pas ajouter
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui en 1994, avec le décret, avec le, plutôt la, la décision Otto contre Preminger, a introduit le droit à la jouissance paisible de la liberté de religion, qui ne met pas bien sûr les religions à l'abri de la critique, mais qui appelle à une certaine modération de la, des formes de la critique, car au fond, le curseur de l'intolérance, il est passé de, du sexuel au religieux. Il n'y a plus d'outrage aux bonnes mœurs, mais il y a un outrage aux groupes en fonction de leur appartenance religieuse, et la Cour européenne des droits de l'homme semble aller dans ce sens, tout en laissant aux États une certaine marge d'appréciation. Autrement dit, injures, offenses et diffamations, ce n'est plus seulement contre les individus. À entendre cette jurisprudence, on se demande si aujourd'hui elle ne concerne pas également les institutions religieuses. Voilà. Est-ce ou non un motif d'inquiétude ? Je te pose la question. Messieurs. J'en aurai peut-être des choses à dire. Maître Kiechmann aussi, sur cette dernière question. La Cour européenne des droits de l'homme va plutôt dans le sens de cette construction que je qualifie un peu rapidement de protestante, mais si j'avais le temps, je serais prêt à la défendre, qui consiste à dire que ce qui va compter, c'est le respect pour la religion, plus que, au fond, le respect du droit de l'athée à dire qu'il va critiquer cette religion. Donc c'est respect contre respect. Bon, en même temps, quels sont les rapports de force ? Il me semble quand même que, pour l'instant, alors ça renvoie à un autre débat qui est celui de la laïcité à la française, il me semble que cette laïcité, en quelque sorte active, dirais-je, face à une laïcité plus passive ou plus défensive, n'est pas encore complètement vaincu dans la confrontation. Que la Cour européenne des droits de l'homme soit allée dans ce sens-là, c'est peut-être en effet un élément d'inquiétude, je serais d'accord pour le mettre. Il me semble que malgré tout, on ne fait rien contre les sociétés. Alors, je vais vite, 30 secondes, puis je m'arrête là, parce que, donc on devient caricatural, si j'ose dire, mais au sens négatif. C'est-à-dire que je pense que les sociétés vont plutôt dans le sens de la poursuite de la tolérance de la critique du religieux. On peut en trouver des signes dans les pays protestants d'Europe, par exemple. Je signalais, après tout, Danemark, Pays-Bas, etc. La question des États-Unis reste posée. Hein, mais je pense que c'est la spécificité de l'histoire de ce pays. Nous verrons bien ce que ça va donner dans les prochaines années, sous quel président en plus. Mais pour l'instant, il me semble que les sociétés vont plutôt dans le sens du maintien, voire même de l'augmentation du niveau de liberté de critique du religieux. Que les institutions européennes soient frileuses, c'est quand même un signe. Que je sache, le représentant de la Commission européenne est là, que je sache, à l'heure actuelle, l'un des lieux où se trouve le plus grand malaise, c'est clairement le lieu qui s'appelle l'Europe. Jean-Noël Jeanne. Juste un mot, je me réjouis que Régis évoque la question des bonnes mœurs, car il y a eu sur ce point des débats précisément en 1881, certains disant, mais enfin les bonnes mœurs, c'est évident. Je n'ai pas besoin de préciser ce dont il s'agit. Et d'autres disaient, les bonnes mœurs, ça a beaucoup évolué. Je parlais de la Révolution française avec des dessins qui paraissaient insupportables aux bons bourgeois de 1880. Et l'interlocuteur qui mettait en cause cette fausse évidence de son adversaire disait, mais qu'est-ce qui vous dit que les bonnes mœurs et cette notion ne va pas évoluer dans 50 ans ou dans 100 ans ? Ce qui finalement nous amène à réfléchir toujours à la fausse évidence des interdits d'un moment et à restituer par conséquent une réflexion qui peut être philosophique ou simplement civique sur ce que l'on interdit et ce qu'on n'interdit pas. Et à cet égard, je voudrais une dernière fois insister sur le fait qu'il est absolument illusoire de dire qu'on peut dessiner n'importe quoi et que la réflexion sur ce que peut être la limite à chaque moment de ce qu'on s'autorise est tout à fait essentielle du point de vue du métier de ce que vous faites. Et que la lutte évidente, nécessaire contre toutes les oppressions politiques et les incompréhensions sociales, n'empêche pas que l'on se dise qu'il y aura toujours quelque chose comme un socle commun d'insupportable. Je ne prends pas des exemples, ils ont souvent été évoqués, qu'on ne doit pas négliger, car sinon, je crois qu'on appauvrit la réflexion collective et qu'en définitive, finalement, on appauvrit son combat pour la liberté. Merci, merci infiniment. Et voilà un pont vers notre prochaine étape, juste après la pause. La liberté, précisément, les limites à cette liberté et le cadre juridique, car la loi existe. Merci Pascal Horry, Jean-Noël Jeannet. 15 minutes précisément de pause, le censeur continue à œuvrer. Dans 15 minutes précisément, nous reprenons. Merci à vous.